Oh! Oh. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore, il instruit les âmes à la vertu et on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde, hein, et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche. On n'attend pas même qu'on vous en demande. Et l'on court au devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez sur cette matière. Reprenons notre discours. Si bien donc, mon cher Gussman, que Daniel Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous. Et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée ? J'ai peur qu'elle soit mal payée de son amour, que son voyage dans cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger de là. Et la raison encore ? Bah, dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure ? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus ? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il l'ait obligé à partir ? Non pas, mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi ? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan ? Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Doña Elvire. Non, mais c'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage. Un homme de sa qualité fait une action si lâche. Ah, oui. Sa qualité, la raison en est belle. Et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Et ce nœud du mariage le tient engagé. Oh, mon pauvre Gussman, mon ami. Tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Ben, je ne sais pas de vrai quel homme il peut être, s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point comme après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin et tant d'emportements qu'il a fait paraître, jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Doña Elvire en sa puissance. Je comprends pas, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. N'est pas grand peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Oh, je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Doña Elvire, mais on n'est point de certitude encore. Tu sais que sur son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point encore entretenu. Mais par précaution, je t'apprends. Internos. Oui. Que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie comme une bête brute, un pourceau des piqûres, un vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire, et traite de bilvesée tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait pu faire pour sa passion et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien, son chat. Contracter un mariage ne lui coûte rien. Il ne se sert pas d'autre piège pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toute main.
Dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre, alors, à durer jusqu'au soir. Il demeure surpris. Et change de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel... l'écrase quelques jours. Qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui, et qu'il me fait voir tant d'horreur que je souhaiterais qu'il fût déjà... je ne sais où. Mais... un grand seigneur, méchant homme, est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir le plus souvent à ce que mon âme déteste. Je l'aperçois qui vient par ici. Séparons-nous. Écoute-moi, je t'ai fait cette confidence avec franchise. Et tout cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait que quelque chose m'en vînt aux oreilles, je dirais hautement que tu en as menti. Quel homme te parlait là? Il avait bien de l'air, ce me semble, du bon Gusman de Donia Elvire. Oh. C'est quelque chose aussi à peu près de cela. Quoi, c'est lui? Lui-même. Et depuis quand est-il dans cette ville? D'hier au soir. Et quel sujet l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qu'il peut inquiéter. Notre départ, sans doute. Le bonhomme en est tout mortifié et m'en demandait le sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore? Quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois sans vous faire tort que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui. Ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Ah, mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de lien en lien et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Oh, monsieur... Eh bien, parle! Assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Quoi? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? Oh, la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort, dès sa jeunesse, à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non. Non! La constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par 100 hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur,
et la mener tout doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais quand on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'y a rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'y a rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Vertu de ma vie, comme vous débitez. Il semble que vous ayez appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre. Qu'as-tu à dire là-dessus? Ma foi, j'ai à dire. Je ne sais que dire. Car vous tournez les choses d'une manière qu'il semble que vous avez raison, et cependant, il est vrai que vous ne l'avez pas. J'avais les plus belles pensées du monde, et vos discours m'ont gâté tout cela. On laissez faire une autre fois, je mettrai mes raisonnements par écrit pour disputer avec vous. Ah bah tu feras bien. Mais monsieur Sauvès, de la permission que vous m'avez donnée, si je vous disais que je suis tant soit peu scandalisé de la vie que vous menez... Comment? Quelle vie est-ce que je mène? Mais fort bonne. Mais par exemple, de vous voir tous les mois vous marier comme vous faites... Y a-t-il rien de plus agréable? Ah, assurément, je conçois que cela est fort agréable et fort divertissant, et je m'en accommoderai assez, moi, s'il n'y avait point de mal. Mais monsieur, se jouir ainsi d'un mystère sacré et... Va, va! C'est une affaire entre le ciel et moi. Et nous la démêlerons bien ensemble, sans que tu t'en mettes en peine. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel, et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Voilà, maître Sceaux. Vous savez que je vous ai dit que je n'aime pas les faiseurs de remontrance. Je parle pas aussi à vous. Oh, Dieu m'en garde. Ouh, vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a de certains petits libertins dans le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils croient que ça leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, oh, je lui dirais bien nettement, le regardant en face. Osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel? Et ne tremblez-vous pas de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes? C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous, à vouloir vous mêler de tourner en raillerie, ce que les hommes révèrent. Croyez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque blonde et bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré, des rubans couleur de feu? C'est pas à vous que je parle, hein, c'est à l'autre. Croyez-vous, dis-je, que tout vous a permis? Et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi que je suis votre valet, que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que... Paix! De quoi est-il question? Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur, et qu'entraînée par ses appâts, je l'ai suivi jusque dans cette ville. Et n'y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois? Pourquoi craindre? Ne l'ai-je pas bien tué? Fort bien, le milieu du monde, il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'éteint pas peut-être le ressentiment des parents et des amis? Oh, n'allons point songer au mal qui nous peut arriver, et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée la plus agréable du monde, qui est conduite ici exprès par celui-même qu'elle y vient épouser. Le hasard me fit rencontrer ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être aussi contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion. J'en fus frappé au cœur. Et mon amour commença par de la jalousie, oui. Je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble.
le dépit alarma mes désirs. Et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et à rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais enfin, jusqu'ici, tous mes efforts ont été inutiles et j'ai recours au dernier remède. Cet époux, prétendu, doit régaler aujourd'hui sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour. Et j'ai une petite barque et des gens avec quoi fort facilement je prétends enlever la mer. Oh, hein? Monsieur Robert, c'est fort bien fait à vous, vous le prenez comme il faut. Il n'y a rien de tel en ce monde que se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes afin que... Ma fâcheuse rencontre, traître, tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne? Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daignez tourner le visage de ce côté? Je vous avoue, madame, que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris, à la vérité. Mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparence me confirmait. J'ai été assez bonne, je le confesse. Ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime, d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Les justes soupçons chaque jour avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminelle à mes yeux. Et j'écoutais, avec plaisir, mille chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pour toi d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, je vous prie. Et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame... Voilà Scannarelle qui sait pourquoi je suis parti. Mais non, monsieur, j'en sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, Scannarelle, parlez, n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. Allons, parle donc à madame. Mais que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le veut ainsi. Me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Aïe, mais que voulez-vous que je réponde? Veux-tu... Vous moquez de votre serviteur. Veux-tu répondre, te dis? Madame, les conquérants, Alexandre, et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité... Oh, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale? Et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Oh, que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis? Qu'il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps? Et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assurer que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible. Qui est certain que vous brûlez de me rejoindre
Et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai pas le talent de dissimuler. Et que je porte un cœur sincère. Bon, je ne vous dirai pas que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir. Ah non, pas pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage, je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame. J'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris. J'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qui nous attirerait quelques disgrâces d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée? Que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras, que par... Oh, scélérat. C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Et qu'une telle connaissance ne peut plus servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que le même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Galarel, le ciel. Oh, oui, vraiment. Nous nous moquons bien de ça, nous autres. Madame... Il suffit. Je ne veux pas souffrir davantage. Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures, non. Non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance, je te le dis encore. Le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Mais si le remords le pouvait prendre, allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Quel abominable maître, me vois-je obligé de servir? D'une éplinque qui ne se saillent en aillé tous deux. C'est donc le coup de vent d'un matin qui les avait renversés dans la maille. Regarde, Charlotte, je m'en compte et tout feindré comme cela est venu. Car, comme dit l'autre, je les ai le premier avisé. Avisé le premier, je les ai. Enfin non, j'étais sur le bord de la mare, moi et le gros Lucas. Qui c'est? Et nous amusions à batifoler avec des mottes de terre que je nous jetions à la tête. Stop! Car comme tu sais bien, le gros Lucas aime à batifoler.
Et moi, par foi, je bâtis folle et tout. Oh. En batifolado, puisque batifolia, j'ai aperçu de tout loin quelque chose qui grouillait dans le lieu et qui venait comme en vers nous par secousse. Voyez ça fixiblement. Et puis, tout d'un coup, je voyais que je voyais plus rien. Hé, Mika, c'est je fais. Parce que voilà des hommes qui nagent là-bas. Voir ce m'a-t-il fait. T'as été au trépassement d'un chat, t'as la vue trouble. Pas le sang, quel, c'est je fais. Mais pas la vue trouble, ce sont deux hommes. Point du tout, ce m'a-t-il fait, t'as la barlue. Veux-tu gager, c'est je fais, que je n'ai point la barlue, c'est je fais, et que ce sont deux hommes, c'est je fais, qui nagent droit ici. C'est je fais. C'est je fais. Mort, quel, ce m'a-t-il fait, je gage que non. Où ça? Veux-tu gager 10 seuls que si? Je le veux bien, ce m'a-t-il fait. Et pour te montrer, v'là un genre sujet. Moi, n'ai pas été ni fou ni étourdi. J'ai bravement bouté à terre 4 pièces tapées et 5 seuls en double jernigan. Aussi, un dimanche, si j'avais avalé un verre de vin. Car je sais hasardeux, moi, et je vais à la débordade. J'ai pourtant bien ce que je faisais, Cloquenier. Enfin, j'avais pas plutôt eu gagé. J'avais vu les deux hommes tout à plan qui nous faisaient signe de les aller quérir. Et moi, de tirer auparavant les enjeux. Allons, Lucas, c'est-je dit, tu vois bien qu'ils nous appelons? Allons vite à leur secours? Non, ce m'a-t-il dit, ils m'ont fait peur. Bon, donc, tant qu'il y a qu'à la parfum pour le faire court, je l'ai tant sermonné quand je nous sommes boutés dans une barque. Et puis, j'ai longtemps fait quinquin que je les avais tirés de l'eau. Et puis, je les avais emmenés chez nous auprès du feu. Et puis, ils se sont dépouillés tout nus pour se sécher. Ah. Et puis, il en est venu encore deux de la même bande. Qui c'est qui en sauvait tout seul? Oh. Et puis, Maturin est arrivé là, à qui l'on a fait les 12 yeux. Et là, justement, Charlotte, comme tout ça, s'est fait. Et n'as-tu pas dit, Piaro, qu'il y en a un qui est bien plus mieux fait que les autres? Oui, c'est le maître. Faut que ce soit quelque gros, gros monsieur, car il a du dos à son habit, tout depuis le haut jusqu'en bas. Oh. Et ceux qui le servent sont des monsieur eux-mêmes. Et cependant, tout gros monsieur qu'il est, il se serait pas maficnaillé si le navire m'était là. Ardez un peu! Ah, par quel... Sans nous, il en avait pour sa mène de fèvre. Est-il encore chez toi tout nu, Piaro? Non, non! Ils l'avons rhabillé tout devant nous. Mon Dieu, n'en avait jamais vu s'habiller. Que d'histoire est dans Gigogne au bouton ces messieurs-là, les courtisans. Je me pardonne là-dedans pour moi. Et j'étais tout ébaubi de voir ça. Tiens, Charlotte, ils ont des cheveux qui te n'ont pas à la tête. Oh. Et ils boutonnent ça après tout comme un gros bonnet de filasse. Oh. Ils ont des chemises. Quand des manches, où j'entourions tout brandi, toi et moi. En milieu d'autre chose, ils portent un garde-robe aussi large que d'ici à Pâques. En milieu de pourpoint, deux petites brassières qui ne venaient pas jusqu'au brichet. Et en milieu de rabat, un grand mouchoir de cou à région avec quatre grosses houppes de linge qui le pendent sur l'estomac. Ils avaient, et tout, deux petits rabats au bout des bras et de grands entonnoirs de passement aux jambes. Et parmi tout ça, tant de rubans. Tant de rubans que c'est une vraie pitié. Il n'y a pas jusqu'au soulier qui n'en soit farci, tout depuis un bout jusqu'à l'autre. Et ils sont faits d'une façon que je me romperai le cou avec. Pas de ma fille, Piaro. Faut que j'aille voir un peu ça. Oh, écoute un peu auparavant, Charlotte. J'ai quelque autre chose à dire, moi. Eh bien, dis, qu'est-ce que c'est? Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l'autre, que je débonde mon cœur. Je t'aime, tu le sais bien. Les sommes pour être mariés ensemble, mais Marken, je ne suis pas satisfait de toi. Comment? Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? T'essayais, il y a que tu ne m'aimes pas. Et que tu me chagrines l'esprit, franchement. Oh, mais que main donc? Tu ne m'aimes pas. Oh, ce mec ça! Oui, ce mec ça! Et c'est bien assez! Oh mon Dieu, Piaro! Tu viens toujours me dire la même chose. Tu dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et si c'était pas toujours la même chose, tu dirais pas toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Que veux-tu? Jernigan, je veux que tu m'aimes. Oh, est-ce que je ne t'aime pas?
Non, tu m'aimes pas. Et si, je fais tout ce que je puis pour ça. T'achètes sans poche des rubans à tous les marciers qui passeront. Je me rends le cou à t'aller dénicher des marles. Je fais jouer pour toi l'évier le quand se vient ta femme. Et tout sec comme si je me frappais la tête contre un mur. Vois-tu, ça n'est ni bio ni honnête de n'aimer pas les gens qui nous aimons. Mais mon Dieu, je t'aime aussi. Ah ouais? Tu m'aimes d'une belle dégaine. Et comment veux-tu donc qu'on fasse? Je veux que l'on fasse comme l'on fait quand l'on aime comme il faut. Ne t'aimais-je pas aussi comme il faut? Non! Quand ça est, ça se voit. Oh. Et l'on fait mille petites singeries aux personnes quand on les aime du fond du cœur. Regarde la grosse Thomas, comme elle est assortée du jeune Robin. Elle est toujours autour de lui à l'agacer. Elle ne le laisse jamais en repos. Toujours, elle lui fait que kniche, ou lui boit que taloche en passant. Et l'autre jour, qu'il était assis sur un escabeau, elle fut le tirer de dessous le lit, elle fit choir tout son long par terre. Charlie, là où on voit les gens qui aiment. Mais toi, tu ne me dis jamais mot. T'es toujours là comme une vraie souche de bois. Et je pensais 20 fois devant toi que tu ne te brouillerais pas pour me bailler le moindre coup ou me dire la moindre chose. Entre Ken, ce n'est pas bien, après tout. Et t'es trop fouette pour les gens. Hé, veux-tu que j'y fasse? C'est mon humeur. Et je ne me pierre fondre. Il n'y a humeur qui tienne. Quand on a de l'amitié pour les personnes, l'on n'en baille toujours que de petites signifiances. Enfin, je t'aime tout autant que je pie. Et si t'es pas content de ça, t'as qu'en aimer que côte. Ah! On voulait pas mon côte? J'en ai. Si tu m'aimais, me dirais tout ça. Mais pourquoi me viens-tu aussi tarabuster l'esprit? Moi, quel mal te fais-je? On te demande qu'un peu d'amitié. Eh ben, laisse faire aussi. Et ne me presse point un temps. Peut-être que ça viendra tout d'un coup, sans y songer. Touche donc là, Charlotte. Oh, ben, tiens. Promets-moi alors que tu tâcheras de m'aimer davantage. Ben, j'y ferai tout ce que je pourrai. Mais faut que ça vienne de lui-même. Oh, Pierrot, est-ce là, ce monsieur? Ouais, le voilà. Oh, mon Dieu. Il est gentil. Et que ça aurait été dommage qu'il lui ait été naillé. Je reviens tout à l'heure. Je m'en vais boire Chopin pour me rebouter tant soit pas de la fatigue que je suis. Nous avons manqué notre cousse, Gamarelle. Et cette bourrasque imprévue a renversé avec notre barque le projet que nous avions fait. Mais à te dire vrai, la paysanne que je viens de quitter répare ce malheur. Il ne faut pas que ce cœur m'échappe. Et j'y ai déjà jeté des dispositions à ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs. Non, monsieur, j'avoue que vous m'étonnez. À peine sommes-nous échappés d'un péril de mort qu'au lieu de rendre grâce au ciel de la pitié qu'il a daigné prendre de nous, vous travaillez tout de nouveau, vous attirez sa colère par vos fantaisies accoutumes et vos amours. Hé, coquin que vous êtes, vous savez ce que vous dites, et monsieur, c'est ce qu'il fait. Allons. D'où sort cet autre paysage, Ganarelle? Qu'en dis-tu? Peut-on rien avoir de plus joli? Ne trouves-tu pas, dis-moi, que celle-ci vaut bien l'autre? Assurément. Autre pièce nouvelle. D'où me vient la belle une rencontre si agréable? Quoi? Dans ces lieux champêtres, on trouve des personnes comme vous êtes? Vous voyez, monsieur? Êtes-vous de ce village? Oui, monsieur. Et vous y demeurez? Oui, monsieur. Vous vous appelez? Charlotte! Oh! Pour vous servir. Oh, la belle personne. Et que ses yeux sont pénétrants. Oh, monsieur, vous me rendez tout honteux. Oh, bah. N'ayez pas de honte d'entendre dire vos vérités. Sganarelle, qu'en dis-tu? Peut-on rien avoir de plus agréable? Tournez-vous un peu, je vous prie. Oh, que cette taille est jolie. Aussi un peu la tête de grâce. Oh, que ce visage est mignon. Ouvrez vos yeux. Bah, entièrement. Oh, ils sont beaux. Que je vois un peu vos dents, je vous prie. Oh, qu'elles sont amoureuses. Et ces lèvres appétissantes. Oui, pour moi, je suis ravi. J'avais une fille charmante personne. Oh, monsieur, cela vous plaît à dire et
Je ne sais pas si c'est pour vous railler de moi. Moi? Me railler de vous? Oh, Dieu m'en garde, je vous aime tant pour cela. Et c'est du fond du cœur que je vous parle. Oh, je suis bien obligée si ça arrive. Mais point du tout. Vous n'êtes point obligée de tout ce que je dis. Et ce n'est qu'à votre beauté que vous en êtes redevable. Monsieur, tout cela est trop bien dit pour moi. Et j'ai pas d'esprit pour vous répondre. Oh, Sganarelle, regarde un peu ses mains. Oh, fille, monsieur, elles sont noires comme je ne sais quoi. Oh, mais que dites-vous là? Elles sont les plus belles du monde. Souffrez que je les baise, je vous prie. Oh, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Et si j'avais su ça tantôt, j'aurais pas manqué de les laver avec du son. Et dites-moi un peu, belle... Charlotte! Oui, Charlotte. Vous n'êtes pas mariée, sans doute. Non, monsieur. Mais je dois bientôt l'être, avec Pierrot. Le fils de la voisine Simonette. Quoi? Une personne comme vous serait la femme d'un simple paysan? Non, non! C'est profané tant de beauté. Vous n'êtes pas né pour demeurer dans un village. Vous méritez sans doute une meilleure fortune. Et le ciel, qui le connaît bien, m'a conduit ici tout exprès pour empêcher ce mariage et rendre justice à vos charmes. Car enfin, belle Charlotte, je vous aime de tout mon cœur. Et il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette en l'état où vous méritez d'être. Oui. Cet amour est bien prompt sans doute, mais quoi, Charlotte? C'est un effet de votre grande beauté. Et l'on vous aime autant en un quart d'heure qu'on ferait une autre en 6 mois. Oh, si vrai, monsieur. Je ne sais comment faire quand vous parlez. Ce que vous dites me fait... aise. Ah. Et j'aurais toutes les envies du monde de vous croire. Mais on m'a toujours dit qu'il faut jamais croire les monsieurs. Et que vous autres, courtisans, êtes des enjôleux qui ne songez qu'à abuser les filles. Je ne suis pas de ces gens-là. Oh, une agarde. Voyez-vous, monsieur, il n'y a pas de plaisir à se laisser abuser. Je suis une pauvre paysanne, mais j'ai l'honneur en recommandation. Et j'aimerais mieux me voir morte que de me voir déshonorée. Moi? J'aurais la main assez méchante pour abuser une personne comme vous. Ce serait assez lâche pour vous déshonorer. Ah non, non! C'est profané tant de beauté. J'ai trop de conscience pour cela. Je vous aime, Charlotte, en tout bien et en tout honneur. Et pour vous montrer que je vous dis vrai, sachez que je n'ai point d'autre dessein que de vous épouser. En voulez-vous un plus grand témoignage? M'y voilà prêt quand vous voudrez. Et je prends à témoin l'homme que voilà de la parole que je vous donne. Non, non, ne craignez point. Il vous se mariera avec vous tant que vous voudrez. Ah, Charlotte, on voit bien que vous ne me connaissez pas encore. Et vous me faites grand tort de juger de moi par les autres. Et s'il y a des fourbes dans le monde, des hommes qui ne pensent qu'à abuser des filles, vous devez me tirer du nombre et ne pas mettre en doute la sincérité de ma foi. Et puis... quand on est faite comme vous, on doit être à couvert de ces sortes de craintes. Vous n'avez point l'air, croyez-moi, d'une personne qu'on abuse. Et pour moi, je me percerais le cœur de 1000 coups si j'avais eu la moindre pensée de vous trahir. Oh, mon Dieu! Je ne sais si vous dites vrai ou non, mais vous faites que l'on vous croit. Quand vous me croirez, vous me rendrez justice, assurément. Je vous réitère encore la parole que je vous ai donnée. Ne l'acceptez-vous pas? Et ne voulez-vous pas consentir à être ma femme? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Touchez donc là, Charlotte, puisque vous le voulez bien de votre part. Oh, mais au moins, monsieur, ne m'allez pas tromper, je vous prie. Il y aurait de la conscience à vous. Et vous voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment, mais il me semble que vous doutez encore de la sincérité de mes sentiments. Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables que le ciel... Oh, mon Dieu, ne jurez point, je vous crouais. Donnez-moi donc un petit baiser pour gage de votre parole. Et monsieur... attendez que soyons mariés, je vous prie. Après ça, je vous baiserai tant que vous voudrez. Eh bien, belle Charlotte, je fais tout ce que vous voudrez. Abandonnez-moi seulement votre main et souffrez que par 1000 baisers, je lui exprime le ravissement où je suis. Doucement, monsieur. Tenez-vous, s'il vous plaît. Vous vous échauffez trop et vous pourriez gagner la purésie. Mais qui m'amène cet impertinent? Oui, écoute, niais. Écoute bien ces points non accordés. Ah, mais que de bruit! Je m'y mais c'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Oh, mais laisse-le faire, oh Ficaro! Je ne veux pas, moi! Quoi? Ouais? De Stigen, parce que vous êtes moche, vous viendrez caresser nos femmes à notre barbe, et les gens caressent les vôtres. Hein? Ouais, ouais, ouais.
Destiguette, ne me frappez pas. Géniquet, ventriquet, palsanquet. Morgane, ce n'est pas bien de battre les gens. Je prends la récompense que vous avez sauvée d'être naillé. Oh, Pierrot, ne te fâche point. Je me veux fâcher. Et t'es une vilaine, toi, d'endurer qu'on te cajole. Oh, Pierrot, c'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser et tu dois pas te bouter en colère. Comment? Jeanne, tu m'es promise. Ça n'y fait rien, Pierrot. Si tu m'aimes, dois-tu pas être bien aise que je devienne madame? Jeanne, c'est non. J'aime mieux te voir crever que te voir un autre. Va, va, Pierrot, ne te mets-toi en peine. Si je suis madame, je te ferai gagner quelque chose. Hein, et t'apporteras du beurre et du fromage chez nous. Ventre, Ken, je n'y emporterai jamais quand tu m'en boirais deux fois autant. Oh, est-ce donc comme ça que tu écoutes ce qu'il te dit? Oh, Ken, si j'avais su ça tantôt, je me serais bien gardé de le tirer de vio. Et j'aurais payé un bon coup d'aviron sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Destiguette, je ne crains personne. Attendez-moi un peu. Je ne s'en vais plus bien plus. Voyons ça. Monsieur, laissez-la ce propos misérable. J'ai conscience de le battre. Et quand mon garçon retire-toi, lui dis rien. Je veux lui dire, moi. Ah, je vous apprendrai. Pêche-toi le marron. Te voilà payé de ta charité. J'en ai, moi, va dire à Satan de tous mes nages. Ah, enfin. Je m'en vais être le plus heureux de tous les hommes. Et je ne changerai pas mon bonheur à toutes les choses du monde que de plaisir quand vous serez ma femme. Et que... Que faites-vous donc là avec Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Mais non, au contraire. C'est elle qui me témoignait d'une envie d'être ma femme. Et je lui répondais que j'étais engagé avec vous. Qu'est-ce que c'est donc vos voeux, Mathurine? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse. Oh. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Oh, oui, Charlotte! Tout ce que vous lui direz sera inutile, laissez-moi ça dans la tête. Oh, comment donc, Mathurine? Quand va que vous lui parlerez, vous n'aurez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais... Elle est obstinée comme tous les diables. Vraiment? Ne lui dites rien, c'est une folle. Je pense... Laissez-la là, c'est une extravagante. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Je... Gageons qu'elle vous soutiendra, que je lui ai donné parole de la prendre pour femme. Oh la Charlotte, ce n'a pas bien de courir sur le marché des autres. Ouah, c'est pas honnête, Mathurine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde. Et il m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains. C'est moi, et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'avais-je pas raison? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous moquez des gens, c'est moi encore un coup. Mais le flac est pour dire si j'ai pas raison. Le flac est pour me démentir si je ne dis pas vrai. Est-ce, monsieur, que vous lui avez promis d'épouser? Vous vous rayez de moi. Oh. Et c'est vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari? Vous pouvez voir cette pensée. Mais vous voyez qu'elle le soutient. Mais c'est l'affaire. Vous êtes témoin comme elle l'a su. Mais c'est la vie. Non, 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 non. Il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, Mathurine, je veux que monsieur vous rende ma tête. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camus. Monsieur, videz la querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Dites, parlez. Et que voulez-vous que je dise? Vous soutenez également toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de vous ne sait pas exactement ce qui en est? Non. Sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi me bûcher là-dessus à des redites? Celle à qui j'ai promis effectivement n'a-t-elle pas en elle-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Doit-elle se mettre en peine pourvu que j'accomplisse ma promesse? Tous les discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident beaucoup mieux que les paroles. Aussi n'est-ce rien que par là que je vous vais mettre d'accord. Et l'on verra, quand je me marierai, laquelle des deux a mon cœur. Laissez-lui croire ce qu'elle voudra. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore, je suis tout à vous. Tous les visages sont là auprès du vôtre. On ne peut souffrir les autres quand on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner, je viens vous retrouver dans un quart d'heure. Je suis celle qu'il aime au moins. C'est moi qui l'épousera. Oh, pauvre fille que vous êtes. J'ai pitié de votre innocence et ne peux souffrir de vous voir courir à votre malheur. Écoutez-moi l'une et l'autre. Ne vous amusez point au compte qu'on vous fait et demeurez dans votre village. Mon maître est un fourbe, il n'a dessein que de vous abuser. Et on a bien abusé d'autres. C'est l'épouseur du genre humain.
Ça est faux! Et quiconque vous dira cela, vous devez dire qu'il en a menti. Mon maître n'est point l'épouseur du genre humain, il n'est pas fourbe, il n'a pas dessein de vous tromper, il n'en a pas abusé d'autres. Oh, tenez, le voilà. Demandez-le plutôt à lui-même. Oui. Monsieur, comme le monde est plein de médisants, j'allais au-devant des choses et je leur disais que si quelqu'un leur disait du mal de vous, elle se garderait bien de le croire et ne m'en casse pas de lui dire qu'il en aurait menti. Sganarelle. Oui, monsieur est homme d'honneur, je le garantis tel. Hein? Ce sont des impertinents. Monsieur! Je viens vous avertir qu'il ne fait pas bon ici pour vous. Comment ? 12 hommes à cheval vous cherchent qui doivent arriver ici dans un moment. L'affaire presse et le plus tôt que vous pourrez sortir d'ici sera le meilleur. Une affaire pressante m'oblige de partir d'ici. Mais je vous prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu'il soit demain au soir. Comme la partie n'est pas égale, il faut user de stratagème et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je veux que Sganarelle se revête de mes habits. Moi, monsieur ? M'exposer à mourir sous vos habits ? Allons vite, c'est trop d'honneur que je vous fais. Et bien heureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour son maître. Monsieur, je vous remercie d'un tel honneur. Oh, ciel, puisqu'il s'agit de mort, fais-moi la grâce, au moins, de n'être point pris pour un autre. Ma foi, monsieur a avoué que j'ai eu raison. Ah. Et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessin n'était pas du tout à propos. Et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Ah, il est vrai que te voilà bien. Je ne sais où tu as été déterré, cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération ? Que je suis salué des gens que je rencontre et qu'on me vient consulter ainsi que l'habit d'homme ? Comment donc ? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Ben, tu leur as répondu que tu n'y entendais rien ? Oui, non, pas du tout. Donc, j'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné ? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient. Et comment on va en remercier ? Pourquoi non ? Pourquoi n'auras-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins ? Ils n'ont pas plus de part que toi à la guérison des malades. Et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès. Et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, ou voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard ou des forces de la nature. Comment, monsieur ? Vous êtes aussi impie en médecine ? Oh, c'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi ? Vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin hémétique ? Et pourquoi veux-tu que j'y croie ? Vous avez l'âme bien mécréante. Pourtant, vous voyez depuis un temps que le vin hémétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Hein? Et quel ? Il y avait un homme qui, depuis 6 jours, était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner. Et tous les remèdes n'y faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'hémétique. Il réchappa, n'est-ce pas ?
Non, monsieur, il mourut. Allez, faites admirable. Comment ? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir. Et ça le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace ? Tu as raison. Mais laissons-la la médecine, vous ne croyez pas. Et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit, je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez que vous me permettez les disputes et que vous ne me défendez que les remontances. Eh bien. Je voudrais savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible, monsieur, que vous ne croyiez point du tout au ciel ? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer ? Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît ? Oui, oui. Oui, aussi peu. Ne croyez-vous point l'autre vie ? voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît, et le moine bourru, qu'en pensez-vous, hein ? La peste soit du fat ! Voilà ce que je ne puisse souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans ce monde ? Qu'est-ce donc que vous croyez ? Ce que je crois. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle. Et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est dont l'arithmétique. Faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes. Et que pour avoir bien étudié, on en est bien moins sage, le plus souvent. Moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses beaucoup mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que nous voyons là-haut. Et si tout cela s'est bâti de lui-même, hein? Vous êtes là, vous, par exemple. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir les merveilleuses inventions dont la machine humaine est composée sans admirer de quelle façon tout cela est agencé l'un dans l'autre, ses os, ses muscles, ses veines, ses artères, ce poumon, ce foie, ce cœur, et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Mais interrompez-moi donc, si vous voulez. Je ne saurais disputer si on m'interrompt. Vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, et que tous les savants ne sauraient expliquer. N'est-ce pas une chose admirable que me voilà ici et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et qui fait de mon corps tout ce qu'elle veut? Je veux battre des mains? Oui. Haussez le bras. Levez les yeux au ciel. Baissez la tête.
Remuez les pieds. Allez à droite, à gauche, en avant, en arrière. Tournez. Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Morbleu, je suis bien chaud de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez s'il vous plaira. M'importe bien que vous soyez damnés. Eh, mais tout en raisonnant, je crois que nous sommes égarés. Tiens, appelle un peu l'homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Oh, l'homme! Oh, mon compère! Oh, l'ami, un petit mot, s'il vous plaît. Indiquez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes et que depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami, et te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône... Ah, ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré depuis 10 ans dans ce bois, et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous accorde toutes sortes de biens. Et prie-le qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur, bonhomme. Il ne croit que 2 et 2 sont 4, et 4 et 4 sont 8. Et quelle est ton occupation? De prier le ciel tout le jour pour les personnes de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Ah, voilà qui est étrange. Tu es bien mal payé de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure. Oh. Pourvu que tu veuilles jurer. Oh, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne. Si tu jures, prends, il faut jurer. Monsieur... À moins de cela, tu ne l'auras pas. Mais va, va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Prends, le voilà. Prends, te dis-je. Mais jure donc! Non, monsieur. J'aime mieux mourir de faim. Allez, va, va, je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. On voit, par la fuite de ces voleurs, de quel sucre est votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâce d'une action si généreuse, et que... Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n'eussiez fait dans ma place. Notre propre honneur est intéressé dans de pareilles aventures, et l'action de ces coquins était si lâche que c'eût été prendre part que de ne s'y pas opposer. Mais, par quelle rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains? Je m'étais par hasard égaré d'un frère, et de tous ceux de notre suite. Et comme je cherchais à les rejoindre, j'ai fait rencontre de ces voleurs, qui d'abord ont tué mon cheval, et qui, sans votre valeur, en auraient fait autant de moi. Votre dessein est-il d'aller du côté de la ville? Oui, mais sans y vouloir entrer, nous nous voyons obligés, mon frère et moi, à tenir la campagne pour une de ces fâcheuses affaires qui réduisent des gentilshommes à se sacrifier, eux et leur famille, à la sévérité de leur honneur. Et ne serait-ce pas une indiscrétion que de vous demander quelle peut être votre affaire? La chose en est en termes de n'en plus faire de secret. Lorsque l'injure a une fois éclaté, notre honneur ne va point à vouloir cacher notre honte, mais à faire éclater notre vengeance et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi, monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l'offense que nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d'un couvent, et que l'auteur de cette offense est un Don Juan Tenorio, fils de Don Louis Tenorio. Nous le cherchons quelques jours. Mais tous nos soins ont été inutiles et nous n'avons pu découvrir ce qu'il est devenu. Le connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Non, quant à moi, je ne l'ai jamais vu. Et je l'ai seulement ouï dépeindre à mon frère. Mais la renommée n'en dit pas force bien. C'est un homme dont la vie... Arrêtez, monsieur, s'il vous plaît.
Il est un peu de mes amis. Et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d'en ouïr dire du mal. Pour l'amour de vous, monsieur, je n'en dirai rien du tout. Mais quelque ami que vous lui soyez, j'ose espérer que vous n'approuverez pas son action et ne trouverez pas étrange que nous cherchions d'en prendre vengeance. Au contraire, je vous ai vu servir et vous épargner des soins inutiles. Je suis ami de Don Juan. Oui, je ne puis pas m'en empêcher. Mais il n'est pas raisonnable qu'il offense ainsi des gentilshommes. Et je m'engage à vous faire faire raison par lui. Quelle raison peut-on faire à ces sortes d'injures? Toutes celles que votre honneur peut souhaiter. Et sans vous donner la peine de chercher Don Juan davantage, je m'engage à le faire trouver au lieu que vous voudrez, et quand il vous plaira. Après ce que je vous dois, ce me serait une trop sensible douleur que vous fussiez de la partie. Je suis si attaché à Don Juan qu'il ne saurait se battre que je ne me batte aussi. Mais enfin, j'en réponds comme de moi-même. Vous n'avez qu'à dire quand vous voulez qu'il paraisse et vous donne satisfaction. Vois, mon frère! Vous voilà avec notre ennemi mortel! Notre ennemi mortel? Oui! Je suis Don Juan moi-même! Et l'avantage du nombre ne m'obligera pas à déguiser mon nom. Oh, traître! Il faut que tu périsses! Ah, mon frère, arrêtez! Je lui suis redevable de la vie, et sans le secours de son bras, j'aurais été tué par des voleurs que j'ai trouvés. Et voulez-vous que cette considération empêche notre vengeance? Souffrez que je lui rende ici ce qu'il m'a prêté, que je m'acquitte sur le champ de la vie que je lui dois par un délai de notre vengeance, et lui laisse la liberté de jouir, durant quelques jours, du fruit de son bienfait. Non, non. C'est hasarder notre vengeance que de la reculer. Et l'occasion de la prendre peut ne plus revenir. Le ciel nous l'offre ici. De grâce. C'est à nous d'en profiter. Mon frère. Tous ces discours sont superflus. Il faut qu'il meure. Arrêtez-vous, dis-je, mon frère. Je ne souffrirai point du tout qu'on attaque ses jours, et je jure le ciel que je le défendrai ici contre qui que ce soit. Et je saurai lui faire un rempart de cette même vie qu'il a sauvée. Et pour adresser vos coups, il faudra que vous me perciez. Quoi? Vous prenez le parti de notre ennemi contre moi? Mon frère, montrons de la modération dans une action légitime et ne vengeons point notre honneur avec cet emportement que vous témoignez. Ayons du cœur dont nous soyons les maîtres. Notre vengeance, pour être différée, n'en sera pas moins éclatante. Ah, l'étrange faiblesse! Et l'aveuglement effroyable de hasarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pensée d'une obligation chimérique. Non, mon frère, non, ne vous mettez pas en peine. Si je fais une faute, je saurai bien la réparer et je me charge de tout le soin de notre honneur. Don Juan, vous voyez que j'ai soin de vous rendre le bien que j'ai reçu de vous. Et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur de l'offense que vous nous avez faite. Et je vous fais juge vous-même des réparations qu'elle demande. Il est des moyens doux pour nous satisfaire. Il en est de violents et de sanglants. Mais enfin, quel que choix que vous fassiez, vous m'avez donné parole de me faire faire raison par Don Juan. Songez à me la faire, je vous prie. Vous vous ressouvenez que hors d'ici, je ne dois plus qu'à mon honneur. Je n'ai rien exigé de vous. Et vous tiendrez ce que j'ai promis. Allons, mon frère. Un moment de douceur ne fait aucune injure à la sévérité de notre devoir. Sganarelle ! Oui ! Sganarelle ! Sganarelle ! Coquin, tu fuis quand on m'attaque? Ah, pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. De...
Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre médecine de le porter. La peste, l'insolence. Ah, couvre-moi ta poltronnerie de la voile pisonnette. Sais-tu bien quel est l'homme à qui j'ai sauvé la vie? Et moi, non. C'est un frère d'Elvire. Un frère? Oui. Il est assez honnête homme. Il en a bien usé. Et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il vous serait aisé d'apaiser toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour Donia Elvire. Et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. Mon cœur est à toutes les belles. Et c'est à elles à le prendre tour à tour et à le garder autant qu'elles le pourront. Mais que vois-je ici? Mais comment, vous ne le savez pas? Ah non, vraiment? Oh, c'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison, je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Et j'ai envie de l'aller voir. N'allez pas par là, monsieur. Pourquoi? Ce n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire. C'est une visite dont je lui veux faire civilité et qu'il doit recevoir de bonne grâce s'il est galant homme. Oh, 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 que cela est beau. Oh, que cela est beau, qu'en pensez-vous, monsieur? On peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme qui s'est passé sa vie durant d'une assez simple demeure en veuille avoir une si magnifique pour quand il n'en a plus que faire. Voilà la statue du commandeur. Le voilà bon avec son habit d'empereur romain. Mais avouez, monsieur, que cela est bien fait. Il semble qu'il est en vie, qu'il s'en va parler. Oh, il jette sur nous des regards qui me feraient peur si j'étais seul. Et je pense que notre visite ne lui plaît pas. Il aurait tort. Et ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous, monsieur, ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle bizarrerie. Seigneur commandeur, je ris de ma sottise. Et c'est mon maître qui me l'a fait faire. Hein. Seigneur commandeur, mon maître, Don Juan, vous fait demander de lui faire l'honneur de venir souper avec lui. Pêche, qu'as-tu? Dis donc, veux-tu parler? Monsieur la statue! Eh bien, que veux-tu dire, traître? La statue m'a fait signe! La statue, je t'assomme, c'est une parle! Elle m'a fait signe, vous l'avez dit, tout vrai! Allez-vous-en, lui parlez vous-même pour voir, peut-être que... Viens, Maro, viens! Je devais bien faire toucher au doigt ta poltronnerie! Regarde-moi! Le seigneur commandeur, voudrait-il venir souper avec moi? Je n'en voudrais pas tenir 10 pistoles. Eh bien, monsieur. Allons. Partons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Qu'il en soit, laissons cela. C'est une bagatelle. Et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour ou surpris de quelques vapeurs qui nous aient troublé la vue. Oh, monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu. Des yeux que voilà. Il n'y a rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute pas que le ciel... scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et pour vous retirer. Écoute, si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore un seul mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander à Nerlebeuf, te faire tenir par 3 ou 4 et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien? Fort bien, à merveille. Vous expliquez le mieux du monde. Ce qu'il y a de bon avec vous, que vous n'allez pas chercher de détour et que vous dites les choses avec une netteté admirable. Allons, on me fasse souper le plus tôt que l'on pourra. Monsieur, voilà votre marchand, monsieur Dimanche, qui demande à vous parler. Ah, voilà ce qu'il nous faut qu'un compliment de créancier. Que savise-t-il de venir nous demander de l'argent? Et que lui disais-tu que monsieur n'y est pas? Il y a 3 quarts d'heure que je le lui dis, mais il ne veut pas me croire et c'est assis là-dedans pour attendre. Mais qu'il attende tant qu'il voudra. Non. Au contraire. Faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire seuler aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose. Et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits
sans leur donner un double. Oh, monsieur Dimanche, approchez, que je suis ravi de vous voir. Et que je vais de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. Oui, j'avais donné ordre qu'on ne me fît parler personne. Mais cet ordre n'est pas pour vous. Et vous êtes toujours en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Comment, coquin? Je vous apprendrai à laisser monsieur Dimanche dans une antichambre. Et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, comment ça n'est rien. Vous dire que je n'y suis pas à monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. J'étais venu... Allons vite, un siège pour monsieur Dimanche. Monsieur, je suis bien comme cela. Quoi, quoi, je veux que vous soyez assis contre moi. Cela n'est point nécessaire. Écoutez ce client, rapportez un fauteuil. Monsieur, vous vous moquez. Non, non, je sais ce que je vous dois. Et je ne veux pas qu'on mette de différence entre nous deux. Monsieur. Allons, monsieur Dimanche, asseyez-vous. Il n'est pas besoin, monsieur, et je n'ai qu'un mot à vous dire. J'étais... Mettez-vous là, vous dis. Non, monsieur, je suis bien. Je viens pour... Non, je ne vous écoute pas si vous n'êtes assis. Monsieur, je fais ce que vous voulez. Ah! Je... Parle... Monsieur Dimanche, vous vous portez bien? Oui, monsieur, pour vous rendre service. Oh. Je suis venu... Vous avez un fond de santé admirable, hein? Des lèvres fraîches, un teint vermeil et des yeux vifs. Je voudrais bien... Comment se porte madame Dimanche, votre épouse? Fort bien, monsieur, Dieu merci. C'est une fort brave femme. Elle est votre servante, monsieur. Je venais... Et votre petite fille Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est. Je l'aime de tout mon cœur. C'est un honneur que vous lui faites, monsieur. Je vous... Et le petit Colin? Fait-il toujours bien du bruit avec son tambour? Toujours de même, monsieur. Et votre petit chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort? Et mord-il toujours bien nos jambes, les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous ne saurions en cheville. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Touchez donc là, monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Oh, monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'honorez trop. Il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. Et cela, sans intérêt, je vous prie de le croire. Je n'ai point mérité cette grâce, assurément. Mais, monsieur... Pour ça, monsieur Dimanche, sans façon. Voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur, il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Allons vite, un flambeau pour monsieur Dimanche, et que quatre ou cinq de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Monsieur, il n'est pas nécessaire, et je m'en irai bien tout seul. Comment, mais je veux qu'on vous escorte. Je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur. Et, de plus, votre débiteur. Ah, monsieur. Mais c'est une chose que je ne cache pas, et je le dis à tout le monde. Si, voulez-vous que je vous reconduise? Non, monsieur, vous vous moquez. Monsieur! Embrassez-moi donc, s'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai, il me fait tant de civilité et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Et je voudrais qu'il vous arrive à quelque chose. Que quelqu'un s'amusait de vous donner des coups de bâton. Je vous verrais de quelle manière. Je le crois. Mais Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Ne vous mettez point en peine, il vous le paiera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Fuis donc, parlez pas de ça. Comment je... Mais ne sais-je pas bien que je vous dois? Oui, mais... Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais... Mon argent! Vous moquez-vous? Je veux... Hein? J'entends... Fille... Mais... Bagatelle... Je... Mais fille, vous l'ai-je...
Monsieur, voilà monsieur votre père. Oh, me voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons lorsque nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut. Quand nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons en importuner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux, mais le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine, aux yeux du monde, d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toutes heures à lasser les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Bah, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelques vanités? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble quand nous vivons dans l'infâme? Non. Non, la naissance n'est rien, ou la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et l'éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leur vertu si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés, ils vous désavouent pour leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous aide aucun avantage, au contraire. L'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur, et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse. Je regarde bien moins aux noms qu'on signe qu'aux actions qu'on fait, et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Non, insolent. Je ne veux pas m'asseoir ni parler davantage. Et je veux bien que mes paroles n'ont tant qu'un poids sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions. Que je saurais plutôt que tu ne penses mettre une borne à tes dérèglements, prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez! C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour. J'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Oh, monsieur, vous avez tort. J'ai tort. Monsieur. J'ai tort. Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Vous le deviez mettre dehors par les épaules. Ah, t'as jamais rien vu de plus impertinent. Un père venir faire des remontrances à son fils. Dire de corriger ses actions, de se ressouvenir sa existence, et de mener une vie dans l'état, mais sans tant de sottises de pareille nature. Oh, cela peut-il se faire à un homme comme vous qui savez comme il faut vivre? J'admire votre patience, et si j'avais été à votre place, je l'aurais envoyé promener. Oh! Maudite complaisance, à quoi me réduis-tu? Me fera-t-on souper bientôt? Oui. Monsieur!
Voici une dame voilée qui vient vous parler. Que pourrait-ce être? Il faut voir. Soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changée de ce que j'étais ce matin. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien. Pour vous faire part d'un avis du ciel, et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous. Qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue. Et je ne demande assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurai une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières. Et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme. Je vous ai aimée avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre! Je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Oh, madame, il est tard. Demeurez ici. On vous y logera le mieux que l'on pourra. Non, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je, ne perdons point de temps en discours superflu. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis. Sais-tu que j'ai encore senti quelque peu d'émotion pour elle? Que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre? Et que son habit négligé, son air languissant et ses larmes ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint? C'est-à-dire que ses paroles n'ont fait aucun effet sur vous? Allons vite à souper! Bon, bien. Sganarelle, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, là. Ah oui, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie-ci. Et puis nous songerons à nous. Oh! Qu'en dis-tu? Rien. Ah. Voilà le souper.
me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Pardon, qu'as-tu là? Parbleu, c'est une fluxion qui lui est tombée sur la joue. Vite une lancette pour percer cela. Le pauvre garçon n'en peut plus. Et cet abcèle pourrait étouffer. Attends. Voyez comme il était mûr, hein, coquin que vous êtes. Vous voulez voir si votre cuisinier n'avait pas mis trop de sel ou de poivre? Alors mets-toi là. J'ai affaire de toi quand j'aurai soupé. Mon assiette! Mon assiette! Oh, morbleu! Petit compère, vous êtes habile à donner des assiettes nettes. Ben et vous, peux-tu la violette, comme vous savez présenter à boire à propos? Qui peut frapper de cette sorte? Qui nous vient troubler dans notre repas? Je veux souper en repos, au moins, qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire. Je m'y en vais moi-même. Qu'est-ce donc, qu'y a-t-il? Ah, monsieur, le... Qui est là? Mon tronc, que rien ne me saurait ébranler. Pauvre Zian, rien de tout cas, tu... Allons, mets-toi à table. Mais je n'ai pas faim, monsieur. Mets-toi là, te dis-je. À boire, à la santé du commandeur. Je te la porte, Sganarel, qu'on lui donne du vin. Non, monsieur, je n'ai pas soif. Bois, et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Je suis enrhumé, monsieur. Mais n'importe. Allons, vous autres, accompagnez sa voix. Bonjour. C'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai. Accompagné du seul Sganarelle. Ah, monsieur, je vous rends grâce, il est demain jeûne pour moi. Alors, on prend ce flambeau. On n'a pas besoin de lumière. Quand on est conduit par le ciel. Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout à coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement que j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations et m'étonne comme le ciel les a pu souffrir si longtemps et n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme je dois, faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie, réparer par là le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez faits et tout est effacé.
par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue, je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont satisfaits, je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils. Et persistez, je vous en conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, j'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère. Partager avec elle le doux transport des ravissements que je suis. Et rendre grâce au ciel les saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Oh, monsieur, que j'ai de joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. Oh, la peste de Benet. Comment le Benet? Quoi? Tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire? Il croit que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Comment? Ce n'est pas... Votre... Ah, quel homme! Non, je ne suis pas changé! Mes sentiments sont toujours les mêmes! Comment vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a bien quelque chose là-dedans, je ne comprends pas! Mais quoi que ce puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme! Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite, et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je vais me contraindre, pour ménager un père dont j'ai besoin et me mettre à couvert du côté des hommes de cent fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Quoi? Vous ne croyez rien du tout? Et vous voulez cependant que vous érigiez en homme de bien? Mais pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Quel homme! Il n'y a point de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les condamner hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lie, à force de grimaces, une société avec tous les gens du parti qui en choque un, se les jette tous sur les bras. Et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus et que chacun connaît pour être véritablement touché, ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse? Qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, deux roulements d'yeux, rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je vais me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai, sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale et serai défendu par elle, envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué, tant soit peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis,
je les accuserais d'impiété et saurais déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Oh, oh ciel, qu'entends-je ici ? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière scie m'emporte, je ne puis m'empêcher de parler. Faites de moi tout ce qu'il vous plaira, battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi, si vous voulez, mais il faut que je décharge mon cœur et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur, que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes ne sont pas à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est pas la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Une nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en bête brute. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Beau raisonnement. Après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Doucement. Je vous trouve à propos pour vous demander vos résolutions. Je me suis, en votre présence, chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le sais point, je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur et il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Oh, hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie. Et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités et de corriger désormais par une austère conduite tous les dérèglements où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein, Don Juan, ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite, et nous avons été tous deux touchés en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire, pouvant être imputée au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde et me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai entendue, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut. Croyez-vous donc je vais en nous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi, vous voulez que je me paye d'un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? Le ciel l'ordonne de la sorte. Nous souffrirons cette tâche sur notre famille. Mais prenez-vous-en au ciel. Mais quoi, toujours le ciel? Le ciel le souhaite comme cela. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre et le lieu ne le souffre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque pas de cœur et que je sais me servir d'une épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure par cette petite rue écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est pas moi qui me veux battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qu'en arrivera.
Nous verrons. Monsieur, quel diable de style, prenez-vous là. Ceci est bien pis que le reste. Et je vous aimerais mieux encore comme vous étiez auparavant. J'ai toujours espéré de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'à présent ne pourra du tout souffrir cette dernière horreur. Va, va, va. Le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Oh, monsieur, c'est le ciel qui vous parle. Et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il s'explique un peu plus clairement s'il veut que je l'entende. À pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui peut parler de cette sorte? Je crois connaître cette voix. C'est un spectre, monsieur. Spectre, fantôme ou diable, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Ah, monsieur, rendez-vous à temps de preuves et jetez-vous vite dans le repentir. Non! Non, il ne sera pas dit quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi! Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez, hier, donné parole de venir manger avec moi. Oui, où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà! Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste. Et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Que ça ? Un feu invisible me brûle, je n'appuie plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Mes gages ! Mes gages ! Voilà par sa mort, chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outranés, mari poussé d'amour, tout le monde est content, il n'y a que moi seul de malheureux. Mes gages, mes gages, mes thank you.